Saint-Étienne. Son Groupama Stadium, son public en totale osmose avec sa direction, ses résultats récents à la hauteur de son passé victorieux. Forcément, ce déplacement à la 38e journée nous faisait de l'œil depuis bien longtemps. Et c'était l'occasion idéale pour la Nagesphère de lancer sa section Grand Doping et une rubrique sobrement intitulée IVG. On vous emmène avec nous, c'est parti pour le récap du déplacement à Saint-Étienne. Tu vas gagner, Valenciennes, tu vas gagner. Après cet intro évidemment sarcastique et ce générique d'ores et déjà cultissime, petit panel d'images de notre déplacement qui aura donc duré 22 heures au total, dont 14 heures de trajet, 7 heures aller, 7 heures retour, des images accompagnées d'une musique libre de droit, comme tout bon vlog qui se respecte. Petit détour aux toilettes car je n'ai aucune personnalité, je fais comme un certain youtubeur d'Ajaccio et on enchaîne avec les images du match lors desquelles je vais fermer ma gueule. Thank you.
vous l'aurez remarqué, le McDo aura été le réconfort de ce chemin retour qui s'est achevé à 9h. Place désormais à la notation de ce déplacement à Geoffroy Guichard. Parmi les points positifs, on parlera évidemment de l'ambiance. C'est apparemment l'ambiance des grands soirs et franchement ça s'est remarqué. De mon humble expérience, c'était le top 3 des ambiances que j'ai vécues, pour ne pas dire top 2 ou top 1. À cela s'ajoute le spectacle pyrotechnique absolument dantesque. Je crois que sur ce match, j'ai vu plus de fumée que sur l'ensemble des matchs que j'ai pu voir jusqu'ici, c'est dire. Et enfin, l'accueil qui était plutôt sympa, plutôt agréable, et c'était assez bien géré. En point négatif, le match. Bon, ça c'est sans surprise évidemment avec le VAFC, vous en avez l'habitude. Et enfin, le plus gros défaut, vous le connaissez également, il est là depuis 9 ans, c'est Edis Gueye, pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Et c'est donc dans ce cadre très sympa que s'achève une nouvelle saison chaotique pour le VAFC. On vous souhaite de bien vous reposer parce que les mois à suivre seront très longs évidemment, avec beaucoup de colère, beaucoup d'agacement, beaucoup d'irritement, mais surtout beaucoup d'amour pour le VAFC quand même. Sur ce, salut à tous, c'était la Nagesphère et à bientôt.